Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Et aujourd'hui, pas d'émission, donc c'est bêtisier, donc vraiment très agréable à regarder, très drôle. Donc on se rend compte que les 12 coups de midi peuvent être une émission vraiment très drôle. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont vraiment cultes, tout simplement. Donc voilà, donc de regarder le bêtisier, je trouve que c'était un bon moment. Sinon, séquence susboule de la matinée, donc Cyril Hanouna. Bravo à mon ami Jean-Luc Reichmann pour ce carton hier, 3,2 millions le soir de Noël, c'est juste énorme, bravo, en démol, néné, etc. etc. Faut juste savoir qu'à cause de l'Omicron, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu passer les fêtes ensemble, donc beaucoup de gens qui sont restés devant leur télé. Et puis Jean-Luc Reichmann, merci mon Cyril, joyeux Noël à toi, Nénia, etc., etc. Et puis en dessous, plus. Ça s'adresse à Cyril Hanouna, plus il casse les programmes de TF1, plus vous l'encensez, belle déclaration. Quand c'est flou, c'est flou. Donc voilà. Alors hier, dans les 12 coups de Noël, vous aviez cette personne. Eh oui, et qui c'est cette personne avec une belle montre et puis plein de bracelets en cuir? Eh bien, c'est le fifis de Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, donc là, hier, on voyait pas sa tête-tête. Là, que je vous ai mis la tête-tête. Donc il s'appelle Swan avec deux N. Donc aucun rapport avec un signe, il n'y a qu'un seul N, mais un amour de Swan, il y en a bien deux. Donc voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, le suivre sur Instagram. Il a plus de 2000 abonnés, donc c'est plutôt correct pour quelqu'un qui n'est pas très connu. Et puis en plus, il a une chaîne, bon, là il n'a pas beaucoup de monde, donc là où on peut l'écouter et le voir jouer du piano. Allez, sinon, petite blagounette. Donc comme vous savez, donc les rois mages sont venus donc apporter des présents pour le petit Jésus. Donc il y avait de l'or, il y avait de l'encens, et puis il y avait quoi? Il y avait de la myrrhe. Donc voilà. Bon, sinon ce soir à la télé, vous avez encore un grand bêtisier sur la une, vous avez N'oubliez pas les enfants, et surtout sur la 6, moi je crois que je vais regarder Bon Billet avec mes Kleenex. Allez, je vous dis à demain pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.